Bonjour! Je vais vous raconter une histoire intitulée « Les langues ». Hide était un pasteur japonais. Il était à l'église de Kobe et il travaillait à son bureau. Il regarda dans la rue et vit un homme qui regardait l'enseigne de l'église. Il était vêtu d'une longue robe blanche et un chapeau de paille noire. Hide salua l'homme en japonais, mais l'homme ne comprenait pas. Alors, il remarqua qu'il était un Coréen. Il avait un problème à résoudre. Les Coréens et les Japonais ne parlent pas la même langue. Hide réfléchit et eut une idée. Les Coréens et les Japonais utilisent tous les deux des caractères chinois. Alors, il prit de l'encre, un pinceau et du papier, et il commença à écrire sur le papier qu'il était le pasteur de l'église. Le Coréen eut un large sourire. Il écrit qu'il voulait en savoir plus sur Jésus. Alors, le pasteur prit son pinceau et écrit sur l'amour de Jésus. Le Coréen serait là encore 2 jours parce qu'il attendait un bateau. Le lendemain, il revint avec son ami qui voulait aussi en savoir plus sur Jésus. Avant le départ en bateau, les deux furent baptisés. Aujourd'hui, il y a des milliers de croyants en Corée, mais tout a commencé avec un homme qui voulait en savoir plus sur Jésus. Dans Sophonie 3, 9, il est écrit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Dieu veut se servir de ses enfants, même quand ils parlent des différentes langues. Il peut enlever les barrières entre les peuples.